amateur versus pongiste professionnel. Qui nous mettra la plus grosse branlée? Bienvenue dans ce qui est déjà le 5e épisode de Pongiste amateur versus Pongiste professionnel. A l'issue des 4 premiers, durant lesquels nous avons pu affronter des figures incontournables du championnat de Pro A et de Pro B, c'est Florian Bouraso qui nous a mis la plus grosse branlée en ne nous laissant que 48 points cumulés. Cette fois-ci, ce sont ses camarades d'entraînement à Montpellier qui se dressent sur notre chemin, parmi lesquels 2 jeunes frères qui font trembler l'Asie pongiste. Parviendront-ils à faire tomber le record de leur ami? Déjà, je fais une petite dédicace à Flo, je fais... Allez mon Flo, il se reconnaîtra. Et 48 points, ouais, j'ai calculé, il y aura minimum 13-7. Ça fait une moyenne de 3-4 points par 7. Ça va pas être facile, mais on va essayer de relever le défi. Si c'est Flo qui l'a fait, ouais, c'est facile à battre, ça va être tranquille. Je me fais pas de soucis. On a un petit défi entre nous, j'ai envie de le battre, donc on va essayer de le battre. Bah, il va falloir qu'on soit tous les quatre vraiment au max de performance pour essayer de le battre, mais en tout cas, on va tout donner pour aller chercher ce record, quoi. Mon état d'esprit, c'est que je vais y aller à fond, que je vais me donner à fond pour essayer de mettre la plus grosse branlée, on verra ce que ça donne. Alors moi j'ai l'habitude de faire des tournois, donc je me méfie toujours, quel que soit l'adversaire que je joue, j'ai l'habitude de faire handicap, tout ça, donc je vais faire très attention. Mais bon, on va essayer de s'imposer facilement, j'espère. C'est un match comme un autre, hein, peu importe que ce soit Fan Zhendong ou un amateur, moi l'envie c'est de mettre 11-0, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. 11-0 c'est difficile, mais... je pense qu'on va y arriver. Tout dépendra des débuts de set, mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, on va pouvoir en mettre au moins un, je pense. Je crois savoir qu'il y en a un ou deux pour un soft ou un picot, alors on va être méfiant hein, avec vous. Ils ont été malins, ils nous ont proposé une date en plein mois d'août quand on ne peut pas s'entraîner, sur un week-end de classé noir par bison futé, mais on va y aller au talent et à l'envie et ça devrait bien se passer. Alors je viens de recevoir un message de Florian Bouraso qui nous coach contre le clan Lebrun, donc je vous partage ses conseils. Merci Florian. Salut la team Monquipong, j'espère que vous êtes chaud patate, c'est le cas. Oui. Je tiens mon record et j'espère qu'ils ne le battront pas, ça m'étonnerait. J'essaye de vous donner 2-3 conseils même si sur eux il n'y a pas énormément de points faibles. Alexis, il sert toujours mou, il ne sait pas mettre d'effet, le plus dur c'est de ne pas rigoler quand il fait l'essuie-glace. Okay. Quand il part en ballot, tu peux rester dans le revers, il nous fera pas mal et 1 ou 2 amortis c'est pas mal. Il a du mal à bouger, tu joues une fois dans le revers, une fois dans le coup droit, c'est gagné. Ok. Merci. Il a l'air d'être bon comme coach. Félix, ça c'est pour toi. Bon, il est très jeune, mentalement il est fébrile. Vous pouvez l'avoir à l'expérience. N'hésitez pas à lever la main avant qu'il serve. Yeah. Il aime bien servir vite quand il a peur. En revers, il est capable de mettre 2 tops sur la table, mais en coup droit, que 1. Donc si tu joues 2 fois dans le coup droit, c'est gagné. Okay. tu confirmes, Nathalie? 2 fois dans le coup droit de Félix. Non, ouais, si tu fais 2 fois dans le coup droit, il n'y a plus personne. C'est ça? Okay. Il n'a pas coaché, on n'a pas de conseils sur Esteban et sur Laurent par contre. Vous êtes dans la merde. Bon, mais nous on les sauver, let's go. Yeah. On va les défoncer. Merci Florian. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube où mon frère à moi, qui est numéroté 500, se fait déboîter la tête par Félix, qui n'a que 11 ans. Donc moi je viens à Montpellier en mission pour sauver l'honneur de la famille. Un petit peu stressé parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de leur mettre une belle brûlée. Mais ouais, ça va pas être évident, j'ai vu quelques vidéos, ils ont quelques cours un peu atypiques on va dire, donc il va falloir réussir à s'adapter. Visiblement les meilleurs mondiaux, ils galèrent un peu sur son service, donc je pense que moi aussi je vais avoir un petit peu de mal. Et je crains surtout son service essuie-glace parce que même à niveau amateur, c'est un service que j'arrive pas à lire, donc ça va être chaud. mort efficace. J'ai fait un bon match sur un joueur qui était très dangereux, donc ouais, je suis vraiment content de mon résultat. Il a un jeu assez atypique, il a un super service quand il le met sur la table. C'était plutôt ça qui lui posait problème, mais c'est vrai que quand il met le service sur la table avec son tout droit qui est assez particulier, qui tourne beaucoup, c'est vraiment pas facile et je pense que s'il avait fait un bon match, j'aurais été beaucoup plus en difficulté. Votre nom, je crois que c'est à Esteban de jouer contre Papy Didier. Je joue en double avec Alexis, donc les gestes arbitres je les connais déjà, mais bon, on va encore aller un peu plus vers l'inconnu, donc moi j'ai pas peur, au contraire ça va être intéressant de jouer à un joueur atypique encore. Ah non, en mode sans pitié, même si ça pourrait être mon papa, je vais quand même être sans pitié, sans souci. J'ai eu très peur dès le premier point, il m'a mis un pivot ligne, j'étais vraiment pas prêt. J'ai dû aller me mouiller la nuque direct en apprêtant, c'était vraiment chaud, mais ça s'est bien passé. J'ai réussi à mettre une petite bulle, donc plutôt content. Il a joué très détendu, après moi je joue plutôt bien sur gaucher, donc j'ai réussi directement à le prendre à la gorge et franchement il a fait de son mieux. Il m'a mis deux pivots de ouf, que ce soit au premier comme au troisième set. Au deuxième, un peu moins, il n'a pas gagné de points, mais non, franchement, c'était plaisant de jouer avec lui. Je vais vous montrer comment on fait avec. On a choisi Anthony comme cinquième et dernier guest pour cette saison 1 parce qu'il a un jeu très atypique qu'on mourrait d'envie de montrer à l'écran. Vous allez voir, c'est pas commun. Et d'autre part, on est très curieux de voir ce que ça peut donner sur un joueur pro. Il vient du club de Cournon en Auvergne, qui est une vraie pépinière à crabes et que l'on salue au passage. Alors mon style de jeu est un peu particulier, on va dire que je prends 90% de la table en revers avec un soft. Et le but c'est de pouvoir écraser la balle le plus rapidement possible pour aller au filet. Donc oui, je suis un crabe et je l'assume complètement. Alors un crabe c'est un jeu atypique, ou pour ceux qui sont derrière la table on va dire un jeu de ça permet on va dire de ne pas trop se déplacer, d'éviter les déplacements et de prendre toutes les balles au rebond ou juste derrière et de jouer beaucoup le placement de balle. Bah, moi je pense que c'est bien pour la diversité du ping, mais bon pour le haut niveau c'est difficile. En tout cas là ça m'effraie pas. Ce qui me fait kiffer le plus c'est quand le gars il commence à pleurer ou qu'il commence à regarder sa raquette parce qu'il comprend pas. Je saurais quand même, je pense que si je serre rentrant il va déjà être en galère donc ça devrait le faire. On va dire que le but c'est d'éviter le 11-0 si je veux rentrer au club sans me faire charrier. Après assez serein parce que sur un ou deux coups il y a moyen de gratter une plaie. Bon, bah, déjà, je suis content, j'ai pas pris de 11-0. C'était le premier objectif. Après, un petit espoir, j'ai failli gagner à 7. J'aurais été le premier de la saison, dommage. Franchement, stressant dans la journée, là, avec son Milan, je m'en sors bien. Je concepte 12 points, l'équipe on était à 12 à ce moment-là, donc il fallait que je mette un petit peu, que je laisse un petit peu jouer quand même. Donc voilà, c'est pour ça 11-8. Mais c'était dur, j'ai eu peur, je suis venu 8-6, donc je me suis dit si je perds 7, c'est la ronde, mais ouf, je m'en sors, ça va. En fait, on a vu que tu avais une magnifique couette. Ah, vous voulez couper ma couette? Félix, il te met en 0, coupe la couette. Vendu. Si tu... C'est chaud. Si tu gagnes le 7, il se rase le crâne.